Salut les amis et bienvenue sur Funky Tux, la chaîne YouTube dédiée aux tutos et aux astuces informatiques. Tu as probablement déjà été confronté à une de ces applications préinstallées sur ton smartphone Android que tu ne peux pas désinstaller et pour lesquelles tu ne peux que les désactiver. On appelle communément ces logiciels préinstallés des bloatware. Que sont les bloatware ? Eh bien, pour répondre simplement à cette question, je vais te dire que ce sont des logiciels installés sur ton smartphone ou sur ton PC qui, a priori, ne te servent pas, mais qui consomment de la ressource informatique. Pour revenir sur le sujet principal de la vidéo, désinstaller les bloatware sur ton smartphone Android, tu as probablement entendu qu'il fallait impérativement router ton téléphone pour effectuer cette démarche. Accroche-toi bien mon ami, j'ai une bonne nouvelle. Il n'est pas nécessaire de router ton téléphone pour les désinstaller. Et cerise sur le gâteau, tu conserves les mises à jour dédiées à ton smartphone. Je vais te montrer l'astuce. Reste en ligne et n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo et à partager la vidéo si tu trouves qu'elle peut être utile à ton entourage. Mais avant ça, un petit disclaimer. Ce tutoriel a été réalisé pour diffuser un contenu ludique et vous fournir un contenu imagé des actions entreprises. Je me dégage donc de toute responsabilité et ne pourrai être tenu pour responsable en cas d'incident ou de mauvaise utilisation de vos parts pour les commandes informatiques que je vais vous montrer. Si tu souhaites te lancer dans la désinstallation des bloatware sur ton smartphone Android, je t'invite fortement à faire un petit backup de tes données hébergées sur ton smartphone. Si ça peut t'aider, j'ai un tuto que j'ai mis en descriptif de la vidéo pour entamer cette démarche. Quoi qu'il en soit, la désinstallation d'un bloatware par le biais d'ADB n'est pas irréversible. Tu peux revenir en arrière via une commande entre guillemets inverse que je te montrerai en fin de tuto. Allez, sans plus tarder, place au tuto. Alors, comme je te le disais en intro, on a tous été confrontés à des applications indésirables que l'on souhaite désinstaller et que malheureusement, la seule option qui nous est offerte au moment de l'achat du smartphone, c'est juste une simple désactivation. Je vais te montrer un exemple concret. Je vais aller dans mon gestionnaire d'applications de mon smartphone Android. Je navigue et je vais sur le menu applications, gérer les applications et je vais te prendre pour exemple l'application Facebook que je n'utilise à titre personnel pas du tout et comme tu peux le constater, il y a trois applications Facebook installées sur mon smartphone. Lorsque je consulte les possibilités d'administration que j'ai pour cette application, je vois que je n'ai que la possibilité de l'activer ou de le désactiver. Ce qui, à titre personnel, ne satisfait aucunement mes attentes. Pour résoudre ce problème, on va utiliser ADB. ADB est une ressource disponible sur PC Windows ou Linux. Je vais te montrer comment l'installer sur Linux. Si tu es sur Windows, ne t'inquiète pas, j'ai une vidéo qui te montre comment le faire depuis ton PC Windows. Il suffit simplement de télécharger l'exécutable sur le site d'Android. Je te mets en descriptif de cette vidéo le lien où tu pourras consulter le tuto. Enfin, la partie du tuto consacrée à l'installation d'ADB sur Windows et je te mets également le lien pour télécharger ADB sur Windows. En ce qui concerne les commandes ADB, que tu sois sur Windows ou sur Linux, elles sont les mêmes. Donc, pour la suite du tuto, tu peux juste suivre les commandes que je mets en ligne et ça fonctionnera très bien. «
Si tu es sur Linux, voici comment procéder. Il faut, dans un premier temps, activer le mode débugage sur ton smartphone. Pour ça, en général, ça se trouve dans les options pour développeur sur le smartphone Android. Si tu n'as pas activé le mode développeur sur ton smartphone, je t'invite à consulter mon tuto en descriptif de cette vidéo qui te montrera la manipulation à effectuer pour activer le mode développeur sur ton smartphone Android. Il y a une petite manipulation entre guillemets cachée qui te permettra d'activer ce mode. Une fois que tu as activé le mode développeur, tu navigues dans les paramètres de ton smartphone Android. Moi, ça se trouve ici, je suis sur un smartphone Redmi et je vais dans options développeur. Je descends et là, tu verras, il y a un menu qui s'appelle débogage USB. Voilà, ici. Tu l'actives. On te met un petit message d'avertissement. Tu cliques sur le fait que tu es conscient des risques possibles et que tu assumes volontairement toutes les conséquences possibles. Sinon, tu ne pourras pas poursuivre la suite du tuto. Et puis, une fois que le petit décompte des 10 secondes est terminé, tu cliques sur OK. Une fois que tu as activé le mode débogage USB, tu pourras interagir avec ton smartphone via ton PC. Mais pour interagir entre ton PC et ton smartphone, il te faut, comme je le disais en intro du tuto, l'exécutable ADB. Et je vais te montrer comment le faire sur Linux. Si tu es sur Windows, comme je l'ai dit tout à l'heure, je t'invite à jeter un œil sur le lien que j'ai mis en descriptif de cette vidéo. Si tu es sur Linux, donc, dans un premier temps, soit tu te mets en route ou soit tu utilises le préfixe sudo et puis on va mettre à jour les paquets de ta distribution. Si tu es sur Debian ou Ubuntu, ben moi c'est apt-get update. Ensuite, je rajoute le paramètre pour appliquer les mises à jour. Donc apt-get update et espace apt-get upgrade-yes, enfin y pour yes. Mes paquets sont à jour et je peux donc ensuite installer ADB. Et pour installer ADB via mon gestionnaire de paquets, je tape la commande apt-get install ADB. Et je t'invite aussi à installer le paquet fastboot qui lui te permettra d'appliquer des opérations au moment du démarrage de ton smartphone. Je tape entrée. Je les avais déjà sur mon PC, donc une simple mise à jour a été appliquée. Une fois que tu as installé ADB sur ton PC, tu branches ton smartphone via le cordon adéquat, donc c'est souvent de l'USB-C ou du mini USB. Donc tu branches ce cordon sur ton smartphone et tu le relies à ton PC. Une fois que tu as relié ton smartphone à ton PC, on va vérifier que ton PC communique bien avec ton smartphone. Et pour ça, on va utiliser la commande ADB espace devices et tu tapes entrée. Si tu vois que ça répond device avec un certain nombre de caractères, chiffres et lettres en début de ligne, ça veut dire que ton smartphone communique bien avec ton PC et que tu peux poursuivre le tuto. Si tu as un petit blocage, il faut vérifier que tu as bien accepté la communication débogage USB sur ton smartphone. Et bien souvent, tu recevras une fenêtre pop-up de ce type sur ton smartphone. Pour poursuivre et vérifier la bonne communication entre ton PC et ton smartphone, il faut cliquer sur OK. Une fois que tu as assuré la bonne communication entre ton smartphone et ton PC, on peut poursuivre. Pour ça, on va vérifier la liste des
paquets installés sur ton smartphone. La liste des paquets, ça correspond tout simplement à la liste des applications que tu as installées sur ton smartphone. Cette commande te permet de faire le listing des applications installées sur ton smartphone. Donc tu tapes ADB shell PM list package, tu tapes entrée et il te ressort toutes les applications installées sur ton smartphone. C'est un peu fastidieux. Ce que je te propose, c'est de les lister sur un fichier texte. Donc, pour ça, tu réutilises la même commande. Donc, tu appuies la touche flèche du haut pour remettre la même commande. Et puis, tu insères un petit symbole triangle orienté vers la droite. Bien souvent, il est situé à gauche de ton clavier. Et puis, tu choisis l'emplacement où tu souhaites l'enregistrer sur ton arborescence système. Moi, je choisis de l'enregistrer à l'emplacement slash home slash funkytux slash document. Voilà. Et je vais le nommer list-app-android.txt parce que je veux que ce soit un fichier texte. Et je tape entrée. Lorsque tu vas dans ton répertoire où tu as enregistré ton fichier, donc moi c'est dans documents, tu verras qu'il y a un fichier liste qui est apparu et qui liste l'ensemble des applications reprises sur ton smartphone. Ce sera déjà plus simple pour la suite du tuto et tu vas voir pourquoi. On poursuit dans mon exemple où je souhaite désinstaller l'application Facebook parce que je n'utilise aucunement cette application. Je vais chercher le nom du paquet dans cette liste. Et pour faire ça, j'appuie sur la touche CTRL F. Si tu es sur Windows, ça fonctionne pas. Ça fonctionne aussi avec la même commande CTRL F. Et je vais activer une fonction de recherche dans mon fichier. Donc en image, ça donne ça. CTRL F. Et je tape les premières lettres de l'application que je souhaite effacer. Donc moi, c'est Facebook. Et tu vois, il me le retrouve. Voilà, il me retrouve ma première application. Donc, je vais sélectionner le nom qui commence par com et je sélectionne l'intégralité du nom de l'application et je la copie. Tu vas voir que je vais la réutiliser pour la suite du tuto. Maintenant qu'on a récupéré le nom de l'application que je souhaite complètement désinstaller, on va taper la commande qui permet la désinstallation de l'application. Donc pour ça, je tape ADB shell PM uninstall. Et ensuite, tu colles le nom de l'application que tu souhaites désinstaller. Bien souvent, cette simple commande suffit pour désinstaller l'application de ton smartphone. Mais si jamais tu te retrouves confronté à un message erreur comme moi, je vais te montrer des paramètres supplémentaires à préciser pour être certain de désinstaller l'application. Donc, tu reprends la même base de la commande, donc adb shell pm uninstall, et tu rajoutes après uninstall l'option moins k espace l'option tirer encore tirer user, et puis tu mets encore un espace et tu rajoutes 0 et tu rajoutes un espace, et après tu colles le nom de l'application que tu souhaites désinstaller. Donc voici l'intégralité de la commande. Et ensuite tu tapes entrée. Et là, tu vois, il affiche success. Donc ça veut dire que l'application a été correctement désinstallée. On va désinstaller une deuxième application Facebook. Je recherche par le haut une autre application Facebook et je vois qu'il y en a une qui s'appelle Comme Facebook App Manager.
je copie ce nom et je vais la désinstaller de la même façon en gardant les mêmes paramètres de la commande mais juste en rajoutant le nouveau nom de l'autre application. Je tape entrée et il m'affiche success. Donc mon application a bien été désinstallée. Je désinstalle volontairement que deux applications pour te montrer que au final, par rapport au menu que je t'ai présenté en introduction, il ne restera plus qu'une application Facebook d'installer. Donc je reviens sur le gestionnaire de mes applications Android. Tu vois l'image de mon smartphone. Je clique sur la barre de recherche Facebook. Et tu vois qu'il ne reste plus qu'une seule application sur les trois que je t'avais présentées précédemment. Donc ceci te montre bien que les deux applications que j'ai désinstallées ont été complètement retirées de mon profil utilisateur. Il t'est possible, si jamais ça te pose problème, de réinstaller les applications que tu viens de supprimer. Pour les réinstaller, tu tapes la même commande comme affiché précédemment, mais au lieu de mettre uninstall, tu rajoutes install. Et elle te réinstallera l'application préinstallée sur ton smartphone si jamais tu en as besoin. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre un petit pouce bleu pour me dire que ça vous a grandement aidé. Et ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez liké la vidéo parce que ça me fait dire que j'ai pu vous apporter des solutions, alternatives dont vous avez la pleine maîtrise avec des produits open source. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir d'autres conseils ou tutos de ce type. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous souhaitez faire connaître cette astuce au max de monde. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo.